Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Laissez-moi vous dire que moi aussi, j'en ai l'oignon qui frétille. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure, évidemment, sur God of War, épisode 38, comme d'habitude, 4K, 60 FPS. Un petit truc à boire et à manger, évidemment, et kiffer. Parce qu'on va kiffer. Direction la Dame de la Forge, on s'était arrêté ici. Et ça promet d'être juste incroyable, parce que cette dame a l'air très puissante. Et j'adore les dames puissantes. Je pense que ça peut... Allez, Blanchette, tourne la manivelle. Très vite partir. C'est parti. En cacahuète. Let's go, on va voir la Dame de la Forge. Bon, pour l'instant... Ça ne marche pas. Hein? Qu'est-ce qu'il y a cette fois? Pardon? Écarte-toi que j'y jette un œil. Pardon? Ah, bon sang de bonsoir. Alors quoi? C'est à moi de tout réparer dans cette foutue ville? J'ai besoin de 2-3 trucs. Suivez-moi. Ça allait être trop simple. Cet endroit est complètement délabré. Un manque de respect, je te dis. J'ai besoin que cette hache aille faire des papouilles à ce truc, là-bas. Un truc piquant et argenté. Tu vas trouver. Cette dame, qu'est-ce qu'elle fait? Ça, on le découvrira bientôt tous les deux, pas vrai? Ce que je sais, c'est que si on est chanceux, elle nous accordera sa bénédiction. Elle la donne pas à toutes les armes, okay, mais celles qui ont droit de vraies merveilles. La hache! Ça, c'est un cas particulier. Toujours trois fois! Sacré foutoir! Je te raconterai peut-être une autre. Non, c'est que deux fois. Ok. Putain, pour réparer une putain de manivelle, les gars. Faut pas en abuser, là, hein. Faut pas abuser de ma gentillesse, évidemment, hein. Allez, répare-moi ça, s'il te plaît, parce que ça commence déjà à m'énerver. Faye était la seule à comprendre mon humour raffiné. Ah, ça, c'était une femme d'exception. Mais à côté de la plaque, en ce qui concerne les hommes. Maintenant, okay, je crois qu'il a voulu me cacher. Un peu de ce morceau de bronze, là, au milieu des bouts de bois. Ah... À cette époque, je voulais tellement être le meilleur. Je travaillais jusqu'à l'épuisement. De quoi ? Avec le temps, on ressent moins le besoin de faire ses preuves. Et on apprend à avancer à son rythme. Ça permet de garder ses forces pour des choses plus personnelles. Comme impressionner la dame, par exemple. Alors, le bouc, tu donnes ta langue au chat ? C'était rapide. Je n'abandonne jamais. Plus vous en retirez, plus je grandis, c'est ça ? C'est bien ça! Hein? Je l'ai! Le désir! Non! Comment ça, non? Lorsqu'on nous retire ce que l'on désire, on ne le désire que plus! Bon, d'accord, ce n'est pas parfait, mais je veux entendre ta réponse. Ha! Tu n'auras pas si facilement! Ok. Allez! C'est reparti! Allons-y, rebondi! Manivelle à tourner avant d'atteindre la forge. Je ne vois pas de forge. Tu ne vois pas la forme d'une forge. Mais on approche de sa nature. L'espace d'un instant, j'ai cru que j'allais le comprendre. Ok. On va aller sous l'eau, je pense. C'est bon ! Tourne ! Allez, on va aller sous l'eau, je pense que le clocher va redescendre. Histoire de... Voilà, histoire d'aller en direction. Un classique. Bienvenue dans BioShock. Forge. Elle arrive. Je
manque le dernier ingrédient. Le sang d'un dieu. Donne-lui ta main. J'ai failli oublier. Madame, ce serait un honneur pour nous si vous acceptiez de la bénir. Vous... Eo... Oe... C'était quoi, ça? Elle m'a complètement ignoré. Les sirènes ne s'adressent pas à nos corps matériels. Mais à une partie de nos âmes. Plus précisément, une partie qui te fait peut-être défaut. Merde. Merde! Bordel, Sindri, ce fouille merde mythomane! Ah, bah oui. Je le savais. Je suis mort. Pas. Je suis mort de chez mort. Qu'est-ce Son âme que n'a pas été ramenée en entière. Elle doit être bénie. Ouais, bah celle qui devait la bénir vient de repartir bouffer des algues! Elle doit être bénie par un grand forgeron. Quoi? Non. Non, je peux rien bénir. Il me manque des bouts d'âme! La bénédiction ne vaudrait rien! Seul compte la nature d'une chose, pas sa forme. D'accord. Puisse cette arme frapper juste. Puisse-t-elle être maniée avec sagesse. Puisse-t-elle se reposer une fois son œuvre achevée. Très intéressant ce qui s'est passé. Kratos d'ailleurs a fait preuve de gentillesse extrême. Ok, on va essayer ça. J'aime bien le petit style là. Ça fait du bien un peu une nouvelle arme. Ah, des nouvelles exécutions aussi. Ça fait du bien. C'est la première arme d'un Spartiate. Eh ben, comme au bon vieux temps, alors. C'est fou comme tu me retires les mots de la bouche. Hop, let's go. Oh. Oh là là, elle est incroyable cette arme. Ah!
perchoir. Ça doit faire mal, mon frère. Ok. J'ai pas compris parce qu'il y a des sortes de... Ah, vache. J'ai pas compris parce qu'ils ont fait... Qu'ils ont... Derrière toi. Aïe, 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 aïe. J'étais beaucoup trop concentré sur ce que je faisais et je n'ai pas compris ce que je faisais, donc bah forcément ça m'a coûté la mort. Je vous avoue que là, ça a été un très très gros suspense. C'est pas grave, on va se rattraper très très vite. Nouvelle exécution. C'est trop bien. Pas ta première fois avec une lance magique. C'est la première arme d'un spartiate. Ok, bah croyez-moi que je vais utiliser tout l'XP pour améliorer le style. J'ai toujours pas compris. La lance elle reste dans le corps, mais. La lance reste dans le corps. Bien joué. Ok. Ah, triangle pour les faire exploser. Ah, il me faut d'autres victimes là. Ok, j'en ai d'autres. Oh, trop trop bien. Oh, trop trop bien. Ok. Ça suffira. Regardez. Et là... Ah là, oh là là. C'est trop stylé, ça marche. Ok, cette lance est incroyable. Mort. Cette lance est incroyable. Waouh. La lance pour tenir m'a l'air plutôt adaptée au combat. Voyons si elle peut aussi servir à autre chose, tu veux? Non, vraiment? C'était ça qu'il fallait donc depuis le début. D'accord. Ok, c'était donc ça qu'il fallait depuis papa, le début. Un peu de grimpette. Ça va me libérer tous les passages du Écoute-moi monde. Bien. Très bien. Merci pour ce que t'as dit tout à l'heure. C'est bon d'avoir des amis quand on découvre que son frère n'est qu'un menteur hypocrite. Je suis sûr qu'il cherchait à te protéger. Il n'avait pas à en décider. Quand on meurt, on a au moins le droit de le savoir. Courage, Brock. Nous mourrons tous un jour. Pour certains, plus d'une fois. Bah, peu importe. On doit finir de mettre la lance à l'épreuve. Allez, du nerf. On va devoir se creuser les méninges plus loin. Ok. Donc, c'est donc de ça que j'avais besoin, c'est ça? Et là, si je monte... Dans les valseuses du grand serpent! Des nids de mirettes! Prépare-toi à tailler dans le corps! Derrière toi! Le nid! Vise le satané nid! C'est incroyable cette lance. Ça va mal, mon frère. Ça va bien. Je suis tellement absorbé par la lance, je suis désolé de pas beaucoup parler. C'est incroyable cette phase de. Enfin, le gameplay lance. Oh là là. Et assez. Et assez phénoménal. Attendez, parce que je crois qu'il y a un truc juste au-dessus. En plus d'argent. Non, il n'y a rien d'autre. Le gameplay lance est vraiment trop stylé en fait. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, pardon, de modifier de ce pas? Bien sûr que si.
Oh là 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 là. Lors d'un sprint, appuyez sur R1 pour bondir en avant. Allez hop, ça j'achète, j'en ai rien à péter. Maintenez R1 pour empaler les ennemis de toute votre force. Très bien. Lors d'une esquive, maintenez L vers l'avant et R1. Donnez un coup d'extrémité. Ok. Là, on est bon. Qu'est-ce qu'on a là? Ça, on est bien. Augmente jusqu'à 6 le nombre. Enchaînez rapidement plusieurs attaques corps à corps sans subir de dégâts pour renforcer la lance. Ça me plaît. C'est incroyable. C'est trop trop bien. Très bien. Ça c'est quoi ça? Okay. Oh là là, c'est fou les gars, tout ce que je suis en train de faire là. On est en train de vivre un truc de fou. Ok. Incroyable. Ah oh, désolé, j'ai tout amélioré pour, mais quel bonheur. Quel bonheur. C'est naturel chez toi. Ok. C'est giga stylé. Rien que la manière dont la lance pop. T'as une réponse pour c'est moi, fou. Petite tête. Ou bien ça grandit quand on en retire. Ah, ce seraient les amis. Car plus le temps nous en enlève, plus ils prennent de la place dans nos souvenirs. Non, oublie. À voix haute, ça n'a pas le moindre sens. C'était une bonne journée. Ok. Ces foutus yeux contrôlent les mornes. Il vaut mieux qu'on les crève. Et t'attends, approche. Ah, j'adore. Par ici. Bam. Allez, exécution. Incroyable. En fait, on peut très bien faire du corps à corps. Comme justement... Bah comme non, en fait. C'est ça qui est fou. Prêt pour ta prochaine leçon. Est-ce que tu vois ce machin chose? Essaye de trouver un angle convenable et fiche-y une lance. D'accord. Incroyable. Et dans ces cas-là... Avec ces petites chéries, tout est une question d'angle. Faut que ça entre tout droit. Je ne vois pas de point vulnérable en bas. Mais continue à chercher. Ok. Incroyable. Ils ont re-rajouté un système de gameplay. Là, il y a quoi là? On va se... C'est l'un des petits de Nico. On utilise le piège. Dessus. Allez. Génial! Tu l'as eu! Oh, salut! Désolé, je ne voulais pas te faire peur loin de là! Ce n'est pas le cas. Je vois. On va mettre ça, hein! Ok, let's go! C'est encore. Tu pourras le rapporter à Ratatos que dès que tu seras prêt! Ok. Très très bien, je suis très heureux les amis. On fait que découvrir un maximum de plaisir. Un maximum de choses totalement fou. C'est bloqué. Pardon. Et je suppose qu'il va falloir aller là, c'est ça? Yes, c'était évident. Ok, et ben on va y aller. C'est pas grave. Ouais. Attention en bas. Un peu tard pour ça. J'ai une dernière faveur à vous demander tous les deux. Ensuite, on sera quitte. Ce qui s'est passé dans la forge avec la dame, il n'y a que moi qui peux le raconter, d'accord? D'accord. Hein? Pour un certain temps, peut-être. Mimir. Oh, très bien. Ces gros lourdeaux. Peut-être que ces morts s'en occupent. Hop. Mais celui qui va se faire refaire.
défendre le fignard. Je me suis chié dessus. Attention. Allez, de toute façon, faut bien l'utiliser. Montre-moi ce que t'as. Dégage. Tu me casses. Boum! Éclatage de chicos! Yes, ça me plaît. Yes, ça me plaît. Bam! Ouais, on n'oublie pas la hache quand même, mon pote! Toute beauté! Ok. Ok, c'est incroyable. Derrière toi, mon frère. Alors attendez, parce que là il se passe beaucoup trop de choses, c'est assez terrible. Ok, j'ai équipé. Très bien. Ah. Ok. Ouh, on va pouvoir tout ramasser. C'est assez d'émotion pour moi aujourd'hui. Occupe-toi du butin. Moi, je vais m'installer par là-bas. Ah, comme d'hab, hein, on loupe tout ça, hein. Terrible. Ok. Tu frappes sur moi. Tout dégringole. Ok. C'est incroyable tout ce qu'on va pouvoir faire. C'est une bonne lance. Ok, oui. Go. Merci. Arme. Ok. Fabricable, fabricable, améliorable. Très bien. Très bien. Un petit peu plus de défense, mais rien de bien folichon. De toute façon, je ne peux point le faire. Et là, c'est améliorable aussi. Voilà. Niveau 5, mon pote, qu'est-ce qu'il y a ? Qui va dire quoi ici ? Ok. Très bien. Écoutez, tout ça, c'est ce qui n'est pas saisi, mais c'est pas grave. Et ressources. Ok, j'ai la pièce, j'ai ce qu'il faut. Eh ben écoutez, on est plutôt pas mal. Je vois pas trop ce que je peux améliorer. Je crois que je vois comment tu vas descendre d'ici. Je ferais mieux de trouver mon propre chemin. La journée a été trop bonne pour finir en catastrophe. Ok. Attendez, là, je saisis pas toute l'importance du truc, sûrement. J'ai fait tomber un truc ici, on est bien d'accord. Je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Et là... Ah, ok. C'était tout con. C'était tout con. Oh, c'est par là qu'on descend. Vache. Je vais vous mettre ces portes en état. Allez, salut. J'espère que Sindri sera encore en vie quand Brock en aura terminé avec lui. Ces deux-là s'entendent déjà comme chien et chat en temps normal. Allez. Ok. C'est quand qu'on retrouve d'ailleurs notre petit Atreus, là? Avec toutes ces conneries. Ah? Où sont-ils passés? Tu as un instant? Je veux juste parler. D'un père à l'autre. Et à ce propos, imagine ma surprise quand Atreus est venu toquer à ma porte. Il va très bien, rassure-toi. Et il ne lui arrivera rien du moment que je retourne à Asgard prochainement.
Et puis, notre ami ici présent a de bonnes raisons de vivre. C'est discutable. Tu peux partir, mais ne fais pas de bêtises. Une lance. Je n'ai jamais aimé Brock. Mais je dois admettre qu'il a du talent. Tu voulais parler. Parle. Tu ne souhaites pas la guerre. N'est-ce pas, Kratos? Tout ce sang sur tes mains et celle de ton fils. Je veux la paix tout autant que toi. Peut-être peut-on la trouver ensemble. Il te ment. Je sais. Notre garçon, ton Atreus, il est tel que je l'espérais. Très intelligent. Bon. C'est vraiment le tien? Je plaisante. Tu as toutes les raisons d'être fier de lui. Il est la clé de la paix de notre ère, celle qui nous libérera du destin et de la prophétie. Mon fils n'est pas une clé. Bon sang, on ne pratique pas la métaphore sur ta terre. Le contraire m'aurait étonné. Oh, désolé, ce n'est pas gentil. Je sais que tu n'es plus le dieu que tu étais. Et à présent, tu as une chance de le prouver. Rends-moi mon fils, ou tu retrouveras le dieu que j'étais. Et de quel genre de dieu s'agit-il, Kratos? Que prétends-tu savoir de la divinité? Au cours de tes vies, as-tu jamais été vénéré? Quelqu'un t'a-t-il déjà prié? Peux-tu seulement imaginer ce genre d'amour? Non! Tu te contrefiches des mortels. Tu ne t'intéresses à rien d'autre qu'à ta personne, qu'à ce monstre qui tue sans aucune raison. Tu as peur de ce que tu ne pourras jamais comprendre. Et tu t'étonnes que ton fils n'ait aucune hâte à revenir auprès de toi. J'ignore ce qu'il dit, mon frère. Il essaie seulement de te provoquer. Ce chien prétentieux, il a osé se montrer ici. Au moins, tu l'as secoué autant qu'il t'a secoué. Ok. Incroyable. Oh, j'adore. C'est... Oh, ce jeu a du flow. Te voilà. Voyons ce que Brock a forgé pour toi. Attention. Utilise ton bouclier, mon frère. Ça se passe à ton partout. Derrière toi, prends garde. Ok. Ouh, c'était pas évident. Et encore une fois, je n'utilise pas toutes les pierres et autres accessoires qu'on m'offre. Une lance Dropnir? La lance Dropnir. Eh bien, à vrai dire, autant de lances que nécessaire. Par ici, j'ai trouvé un accès. Nous devons descendre en wagon. Pour être tout à fait franc, je m'inquiète un peu. Nous venons de fabriquer une arme capable de tuer un dieu. Tu pourrais bien retomber dans tes vieux travers, non? Cela te fait-il peur? D'aider un autre dieu brutal? C'est pour toi que j'ai peur, mon frère. Cette lance pourrait déclencher une guerre. LA guerre. Si tu ne le crains plus, Freya devrait avoir raison. Peut-être les géants t'attendaient-ils depuis le début. Ok, c'est quoi ça? Ma Ou quoi?
Allez, on est parti. On ne devrait pas t'avoir. Il en arrive par l'arrière. Ok, attendez, je vais tenter de me la faire, hein, rien à péter. Hein. On va finir cet épisode en beauté. Hein. Ok. Oh, boum! Qu'est-ce qui a fermé ta gorge? Ok. Est-ce que ça va? Ok. Allez, c'est bon, ça dégage. Ouh, allez, on termine cet épisode là-dessus. N'oubliez pas de j'aimer les commentaires. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, en tout cas, je peux vous dire qu'il m'a fait kiffer comme jamais. Évidemment, à bientôt pour de nouvelles aventures. À demain! Bisous tout le monde, passez une bonne journée! Allez, bye bye!